sucré. Bonsoir, chers téléspectateurs, je suis la seule lors de tout le pleu. Vraiment, soyez bénis, soyez toujours bénis, mes enfants, soyez toujours vous. Avec l'émission Gourmet Sucré, c'est une émission aujourd'hui que nous avons créée pour faire parler notre cœur, pour réunir les gens. Tous ceux qui ont des soucis, que ce soit dehors, que ce soit dedans, venez contacter notre numéro. Tous les vendredis, vous serez avec Gourmet Sucré. Mais ce soir, sur mon antenne ici, je suis très heureux, très fier. Depuis combien de temps aujourd'hui, je cherche ma fille Aïcha. Et Aïcha, elle a tout fait au bruit pour venir retrouver sa maman. Aïcha, bonsoir. Bonsoir, la seule Laure. Ça va? Oui. Tu es sûr que ça va bien? Oui, ça va très bien. D'accord, tu as tapé la bonne porte. Ici, c'est chez la seule Laure. Parce que quand on dit maman, là, c'est au-dehors là-bas. Sinon, ici, sur mon antenne, là, c'est la seule Laure. Il n'est pas fait pour miser de son coin. Je suis la seule Laure de tout le unique à son genre. Et en du là, je suis qu'elle peut d'autre fracas, d'autre bois. Hein. Ça va? Oui, ça va. Ah, maintenant, bon, je vais te dire pourquoi tu es arrivé là. Parce que tu as dépassé, ou tu as quitté la seule mais pour t'attraper. Non, Aïcha fait le commerce, quand elle dépose ses barrages, elle n'a pas le temps. Tu as dit aujourd'hui, il faut que j'aille répondre quand même à la seule Laure sur son émission Yvan TV. Donc je vous écoute. Je suis venue pour expliquer mon vécu. Oh là là, ça me fait plaisir ça. Ça veut dire que si, la, si ma fille Aïcha vient vers la seule Laure de tout le pleu, ça veut dire qu'elle cherche la paix, elle cherche la réconciliation, elle cherche vraiment. Elle se dit que vraiment l'amour c'est de là, il faut quand même comprendre au moins comment ça se passe. C'est pas parce que tu as eu le gourmet que tu as dit que ça n'a plus existé. Donc vraiment, je suis très heureuse, merci beaucoup. Donc je vous écoute. Donc, je vivais avec quelqu'un, oui. On a fait la dot. On a quelqu'un, même... c'est-à-dire votre maman, tout le monde vient les gens. Bon, on n'est plus ensemble, donc je peux dire, c'était mon mari. Voilà. On vivait ensemble, on avait un enfant. Vous vivez ensemble, vous vivez dans la même maison? Oui. Vous vivez sur le même toit? Oui. D'accord, Aïcha. Avec lui, ses enfants, il avait déjà deux enfants auparavant. Mm-hmm. Donc, quand moi je suis arrivée, on a un enfant et après, on a fait la dot. Mm-hmm. Et après, vu que lui, il est encore habillé, donc il travaille, ils l'ont affecté au Burkina. Non, ça va un peu vite. Monsieur Corabier, quand il vivait avec elle, il était Corabier, non? Oui. Tu vivais avec lui sur son toit là-bas? Oui. Maintenant, dans la maison, on a affecté le monsieur? Oui. Il était affecté où ça? Au Burkina Faso. Il était allé au Burkina pour une mission ou bien c'était pour rester là-bas? C'était pour rester là-bas. Ah bon? Oui. Sur on prend 3 un policier comme ça, on l'envoie au Burkina, il reste là-bas. Sur 3 c'est ans. C'est un Burkina, ben? Non, c'est pas un Burkina. Ou bien il travaille chez l'ONU? Non. Ouais, d'accord, parce qu'il a 3 ans. Mm-hmm. C'est un militaire. Ah, militaire? Oui. Ah, il n'était pas policier, il était militaire. Oui. Ah oui, mais eux, on les apporte partout, hein? D'accord, oui. Donc il est parti. Donc, moi, j'ai décidé de partir là-bas, vu que ça faisait un peu longtemps, ça faisait 6 mois. En partant, vous êtes entendu quand même, on ne peut pas se lever d'une maison comme ça pour partir seulement sans causer avec sa femme. Vous êtes entendu que, ah, m'a envoyé un message que je dois aller passer quelques jours, quand 3 ans, bien un an, il a quand même discuté avec toi. Non, c'est pas entendu avant de partir. C'est moi qui me suis décidé d'aller le voir. Non, tu t'es pas entendu, c'est-à-dire. Oui. Vous vivez dans le même toit. Oui. Et ton mari avait un bonheur. Qu'on veut l'enfêter, on veut le déplacer de la Côte d'Ivoire au Burkina. Mais il a quand même, il t'a fait quand même asseoir. Oui. Parce que tu n'es pas militaire. C'est son lieu de travail. Mais toi, il t'a fait même affaire à ça. Qu'est-ce qui a été sa réaction? Et qu'est-ce qui a été pour toi? Si mon mari ne peut pas se lever pour dire, ça me parlait plus, ça va au Burkina. Oui, ou bien tu vivais chez tes parents toujours? Non. Bon, donc vas-y alors. Ça, c'est il est... J'étais contente pour lui. Mm-hmm. Parce qu'ils l'ont affecté quelque part. Donc j'étais contente qu'il est parti. Non, il est parti donc, à Patrick qui est bourré comme ça, on dit à balcon là. Il a laissé tout ça. Hein? Il est parti, je suis allée là-bas. Je suis allée le voir là-bas. Quand il est parti, combien de temps? Puis tu es allée là-bas? 6 mois. 6 mois après, tu es allée jeune Thomas. Mais au moins, vous deux vous communiquez quand même. Oui, il venait. Il venait même de temps en temps, il venait voir l'enfant. Mm-hmm. Donc, quand il est parti, même ses deux enfants sont restés avec moi à Abidjan. Les deux enfants sont à toi ou bien c'est pour qui? C'est pour sa défunte copine. Elle est morte? Oui. Mais là, tu as bien fait, je te remercie beaucoup. Toi, au moins, tu as vraiment pris les enfants. Ça veut dire que tu as aimé ton mari. Parce que quand tu aimes mari, il faut commencer par ses enfants. Quand tu aimes les enfants du monsieur, là, vraiment, ça fait plaisir. Tu pourrais dire que non, qu'ils ne les ont pas rentrés, mais ce sont ses sangs. Tu l'as amené pour que, avec, pour toi, ils sont du même père, ils ont le même sang. Hein, et tu les as acceptés d'avoir moi la seule. Vraiment, je te dis beaucoup merci. Vraiment, tu as fait parler ton cœur. Merci beaucoup, ma fille. De rien, la seule. Mm-hmm. Donc, peu de temps après, j'ai décidé de partir le voir au Burkina parce que c'était son anniversaire. Mm-hmm. Donc, c'est là que je vais au Burkina. Avant de partir au Burkina, tu l'as appelé au moins que tu arrives? Non. Ah, d'accord. Tu ne l'as pas appelé? Non. Tu sais que son anniversaire, tu voulais faire une surprise? Oui. Ah, d'accord, je t'écoute. Donc, quand je suis arrivée, vu que je connaissais, je suis arrivée, j'ai tapé à la porte et il y a une femme qui vient ouvrir la porte. Tu as connu la maison, moi? Oui, vu que j'étais pas cassé, déjà... Parce que chez nous, si on ne dit pas cassé, c'était pas cassé. Non, c'était pas. Le numéro était toujours là? Oui. Mm-hmm. Je lui ai dit bonjour madame, comment vous allez?
Elle m'a dit, ça va, j'ai demandé après lui. Elle m'a dit quand vous êtes arrivé, vous avez fait rentrer quand même, non? Oui. Et tu as, quand tu es rentré dans la maison, tu as vu les effets d'une dame. Oui. C'est ça qu'elle était de la maison. D'accord. Donc je lui ai demandé, ah madame, vous êtes sa femme? Elle m'a dit oui. J'ai dit, ah ok, il n'y a pas de problème. C'est moi, toi qui poses question aux gens, tu sais, c'est sa femme. Oui, c'est moi qui lui ai posé la question. Mm-hmm. Elle m'a dit qu'elle est sa... Donc, oui, elle m'a dit effectivement qu'elle est sa femme. Moi, je lui ai dit, moi, je suis sa cousine. Mm-hmm. Et vu que c'est son anniversaire, on a décidé de venir faire une surprise, tout ça. Elle m'a dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais quand tu es quitté à Abidjan pour faire ce que tu as envoyé les cadeaux? Non. Non, toi, ton cadeau, c'est dans la bouche. Mais il faut envoyer preuve au moins pour rentrer, pour voir au moins pour surprise. Bon, il n'y a pas de problème, on continue. Donc, elle m'a dit qu'elle allait l'appeler pour lui dire que je suis arrivée, tout, tout, tout. Donc, je lui ai dit non, que ce n'était pas la peine. Que, vu que c'était une surprise, quand il allait venir, il allait me voir et tout. Donc, on a dit ok. Je lui ai demandé si c'était ses enfants qui étaient là, parce qu'il y avait deux filles qui étaient là. Elle m'a dit qu'il y avait une seule fille qui était sa fille. L'autre, il avait eu avec une autre dame. Deux filles encore au Burkina là-bas. Oui. Et chez toi, donc ça veut dire que le monsieur, mais il a cinq. Cinq enfants au total. C'est un bon ministère. Moi, j'aime les gens qui ont été un peu comme ça. Mm-hmm. Donc, le soir, il rentre à la maison. Une fois, j'ai tué du bois dans sa veste, moi, il y a cinq bâches d'abord pour les enfants. Mm-hmm. Donc, le soir, il rentre à la maison et il est surpris de me voir. Donc, il va dans la chambre. Mais tout ce temps, tu es là, tu n'as pas cherché à l'appeler dehors pour dire que... Non, je me suis dit que si je l'appelais pour lui dire que j'étais là, mm-hmm. il allait paniquer ou il n'allait pas rentrer. Donc, j'ai préféré laisser le temps qu'il rentre à la maison. Donc, quand il est rentré, il m'a vu, il est allé dans la chambre. Il est revenu, il m'a pris à côté. Il m'a dit, non, qui va m'expliquer, tout, tout, tout. Donc, automatiquement, moi, je lui ai dit qu'il n'avait rien à expliquer, que vu que tu as déjà eu des enfants ici, c'est mieux de rester avec la fille. Mm-hmm. Vu que tu ne lui as pas ça parlé de page, moi. Hein? Oui. Tu ne lui as pas parlé de moi, rien. Tu as eu deux enfants ici, je ne savais même pas. Donc, c'est mieux de rester. Donc, j'ai fait une semaine comme convenu là-bas. Et après, j'ai pris le vol, je suis revenue à Abidjan. Mais tout ce temps, tu es restée là-bas. La réaction de la dame qui est tutelle de la maison, toi, tu dormais où? Dans la chambre de la petite. Bon, tu dormais chez la petite. Et toi, en tant que sa femme aussi, quand tu vois ton mari qui rentre dans la chambre d'une autre femme qui ferme la porte, qu'est-ce que c'est? Ta réaction, qu'est-ce que tu sentais en toi? Bon, j'étais un peu jalouse, mais j'ai essayé de garder mon calme. Il n'y a pas un peu chez moi. Maman était jalouse. Un peu dans jalousie, il n'y a pas jalousie de 1000 kilos. Il faut dire que tu étais jalouse. Parce que ton homme que tu aimes, et tu es là, vous causez bien au salon, et à grande surprise, on rentre dans l'autre chambre. Ma fille, il ne faut pas dire demi. Tu étais jalouse, tu ne pouvais pas supporter. Est-ce que tu vois? Donc voilà. Tu dormais chez les enfants, mais j'espère que tes seins, tu n'as pas coincé sur le nez des enfants. Parce que tu as été la préparé, ton balcon est bourré. Les enfants, tu dormais avec la, tu ne les as pas coincés au mur. Parce que voir ton mari, tu allais penser à tout. On s'en va, oui. Non, j'étais jalouse, mais j'ai préféré garder mon calme. Mm-hmm. Finir une semaine et rentrer à... Tu es resté juste une semaine? Oui. Maintenant, quand les deux quittent dans la chambre, ils ont les morceaux de pain, monsieur a son pyjama, tu sentais quoi? J'étais toujours jalouse, ça me faisait mal, mais... Donc là, manger, je te donnais, tu ne mangeais pas? Non, je ne mangeais pas là-bas. Tu je ne mangeais pas, j'allais dehors. Ouais. Mais j'allais quand tu dehors. Partais dehors, qu'est-ce que le monsieur lui disait quand tu te voyais sortir? Il sortait, avant, il sortait toujours avant moi. Lui, il va au travail à 8 heures... Tout ça. Mais après, c'est la veille du départ que j'ai expliqué tout à la femme. Je lui ai dit, il m'a doté à Abidjan, il a même ses enfants là-bas, il a un enfant avec moi. Et puis la dame, elle était dépassée. Et le lendemain, moi, je suis partie. Tu as dit à la dame? Oui. À la femme qui est là? Oui. Tu n'as pas bien fait, ma fille, parce que là, tu as pris des risques très dangereux. Elle ne te connaît pas. Elle pouvait se dire que tu as botté le cou à son mari pour venir l'agresser. Si tu avais quelque chose vraiment en cœur, tu partais avec ton homme, en tant que ton homme, d'après toi, ton cousin, tu partais dehors pour lui dire vraiment voilà comment ça se passe. Toi, ta vie privée, la dame n'a rien à foutre avec ça. La manière dont tu es fond là, c'est pour toi, elle aussi, elle est femme, ma fille. Il faut qu'on soit clair. Tout ce temps, que le fait même que déjà, quand on se marie avec un homme, on vit avec un homme, on doit connaître son entour, on doit connaître ses parents. Est-ce que tu as vu? Moi, j'ai tué tout de suite mes ententes, j'ai dit, je fuis la femme d'un pilanyakouri. Le premier jour qu'on a fait connaissance, à Bobo, il a montré, voilà mon nom, Gaïsobat, voilà Virginie, il m'a montré tout le monde. Donc si la jalousie t'a monté jusqu'à, tu ne devais pas aller directement à la femme, tu allais la diviser et puis tu allais faire du scandale. Si c'était une femme agressive, elle allait même t'attaquer, se battre avec toi. Est-ce que tu as vu? D'abord, en venant même dans le foyer, le mari n'est pas content. Tu dis que tu es venu faire surprise avec, parce que c'est son anniversaire, tu n'as rien dans ta main. C'est pas ça, moi la femme m'a dit que son oncle, sa soeur est venue faire les dons à mon mari.
Donc la vie, il faut qu'on dise aux gens, les supplices c'est beau. Il est resté pendant 6 ans, 5 ans. Et dans ses problèmes, il a eu un malheur. Oui, il a perdu sa femme. Tu as accepté les enfants. C'est comme la poule qui vient, qui met le drap. Est-ce que tu sais que le même drap que maman Jésus met sur elle. Jésus, quand il... Marie, quand il fait nuit, elle prend tout le monde, la couverture, elle nous couvre tout. C'est toi, quand tu sors que tu as eu problème, c'est pour toi. Sinon, la nuit, elle veille sur nous. Dans la journée, elle veille sur nous. Tu as été trompé par tes amis, ma fille. Parce que quand vous avez trop d'amis qui vous expliquent des choses, attends, il ne vient pas. Il faut aller le jeune là-bas. Ouais. Pourquoi? Depuis là, toi, tu ne viens pas. Tu as perdu ton foyer aujourd'hui. Tu as perdu. Peut-être que tu avais fait des trucs chez lui ici. Que lui, comme on ne peut pas l'inviter sur mon antenne, il t'avait gardé dedans. Parce que si tu n'aimais pas, premier jour qu'il a été affecté, il est parti avec toi, non? Vous êtes allé voir la maison. L'amour, il régnait encore. Mais là, c'est des jeunes, il y a des amis qui leur disent, bon, faut faire ça, faut faire ça. Mes enfants, l'homme parle, la parole reste. L'homme parle, l'homme peut partir, mais la parole restera toujours. Il faut cette émission aujourd'hui pour que vous allez comprendre beaucoup de choses. Pendant 6 ans, tu n'as pas eu gars ici, on ne t'a pas couvé ici. Non. Non, pourtant, il était fermé, il est parti à la clé. Non, mais je te demande, parce que comment 6 ans, toi, belle fille comme ça, partie n'est remplie en dehors, on ne touche même pas ça. Tu dois seulement avec les enfants. Oui. Ah bon? Il doit avoir les enfants comment? 5 ans pour une femme. Même moi, je suis vieille comme ça. Là. Quand je vois que les gens passent et puis ils te touchent les seins. Là. Moi, mon coach, je me rappelle de moi avant. Parce que ça, c'est une prise. Quand il voit qu'on touche les fesses des gens, lui aussi, il rentre en transe. Toi, tu n'as pas eu quelqu'un? Non. Ah, un certain, il attend, il a. En guéri, je n'ai pas vu ça. Maintenant, le dernier moment, il dit quoi? Non. Quand tu as dit à la fille que moi, voilà ça, quand tu lui as dit, lui son dernier moment, il a dit quoi? Ils se sont disputés. C'est ce que tu voulais. Il ne devait pas faire ça. Parce que pendant une semaine, elle n'est pas bête, elle voyait la réaction. Elle dit, quand tu te lèves au moins, tu vas, tu peux dire à ta belle-fille, ta belle-sœur, laisse aujourd'hui la cuisine, je vais préparer un peu, vous allez manger. Tu n'as pas fait ça. Parce que madame assise là, elle, c'est son mari qu'elle attend. C'est ce que tu faisais. Oui. Tu n'as jamais touché quelque chose. Tellement que le gourmet t'avait trop monté là, tu n'as jamais touché quelque chose. Tu vois? Tu as vu comment le diable vous fatigue. La jeunesse aujourd'hui, vous êtes arrivés, mais restons quand même les deux personnes qui nous gèrent sur la terre. C'est des vieux. Quand on les voit, c'est des conseils. Ceux de la terre qui nous gèrent aujourd'hui, qui sont en haut de nous, c'est des papas, c'est des mamans. Écoutez la parole d'une mère. Parce que Dieu ne pourra jamais descendre. Il passera par une mère et par un père. Mais ma fille, prochainement, quand tu es quelque part, arrête de fouiller dans le portable de ton ami. Arrête d'écouter les amis. Les amis ne vous arrangent pas. Vous, là, vous n'arrangez personne. C'est vous, les coupeurs de route dans la poubelle. On ne vous voit même pas. Quand vous voyez une occasion que l'autre s'occupe de son ami, c'est maintenant que vos visages de grenouille, ça sort. Elle fait des maudits comme ça. Ne faites pas ça. Bébé comme ça, là. Hein? Et il est là. Et puis, non. Ça, je ne suis pas d'accord. Quand tu l'as rappelé, maintenant, il a dit quoi? On fait commencer, laisse-moi, c'est comment il a dit quoi? C'est moi qui lui ai dit que je ne voulais plus de lui. Donc, une semaine, ils ont baisé derrière toi là. Tu n'as rien dit. Une semaine, tu as dormi, ils ont couillé là. Toi, c'est ta réponse. Oui, moi, je lui ai dit ça. Le même jour où il est arrivé, c'est ce que je lui ai dit. Mm-hmm. Et quand une semaine sont arrivées. Mais si tu avais déjà dit, par même, il devait payer ton transport pour le lendemain, pour partir, que de rester là, pour vendre ceux qui ne sont pas bien. Il devait te payer ton transport pour partir. Il devait te dire, bon, je comprends ma cousine, tu vas te retirer là, mais vivre jusqu'à quelqu'un que tu aimes. Tu vas vivre avec. Ils vont dormir dans les champs. Tu as dormi à côté pendant une semaine. Qu'est-ce qu'il y a? Toi, ton cœur, là, c'est comment? Parce que tu pourrais même quand même fesser leurs chaussures. Et quand tu as dit ça, Aïcha, tu es partie la mise, ça fait quoi? Je suis rentrée à Abidjan. Et l'endemain, tu es venue à Abidjan? Oui. Je suis allée voir ses parents. Mm-hmm. Donc, ils ont demandé à récupérer les enfants, vu que j'ai dit, ils ont tout fait. Mm-hmm. Moi, j'ai dit que je ne voulais plus. Donc, les enfants, même, ils ont dit qu'ils ne voulaient pas partir. Qu'ils aimeraient. Mais lui, c'est deux enfants sont chez toi. Oui, jusqu'à présent. Il passait à l'école, les enfants. Oui. Mais qui paye la scolarité? C'est lui qui paye. Il paye aussi pour ton enfant. Oui. Maintenant, vos deux parents, qu'est-ce qui a été leur réaction? Bon, personnellement, moi, ma maman, elle a demandé que je quitte la relation. Lui, ta maman? Oui. Elle, son foyer, là-bas, est d'où? Tous les foyers sont en mer. Elle a peut-être dit à sa fille, elle ne dit pas, moi, je vais appeler le monsieur pour dire, voilà, comment il se passe. Carrément, il faut quitter. Elle sait ce qui s'est passé. Vous avez fait un enfant ensemble. Une mère ne doit pas dire qu'il faut quitter le coin, elle ne doit pas dire ça. Il n'y a pas de foyer sucré, tous les foyers sont en mer. Mais c'est elle, mais on tente, on est là, on se lève toujours. Moi, je ne peux jamais dire à mes enfants de divorcer.
Ils vont venir où? Quand tu mets un enfant au monde, c'est pour que lui aussi il gagne son foyer. Donc, maman, excuse-moi, mais tu as mal fait. C'est des enfants. Quand le militaire il avait un peu là, tu prenais un café, café au lait, non? Si aujourd'hui il y a eu problème avec ta fille, tu n'as qu'à appeler poliment. Mon fils, tu viens quand Abidjan. C'est comme ça une mère doit réagir. Tu n'as pas dit à ton enfant de quitter. Il va marier qui? Ton mari qui est là-bas. Hein? Ton mari périmé qui n'a pas de dents. C'est là-bas, ils vont partir. Vas-y. Donc, lui, ses parents ont essayé d'arranger les choses, mais moi, je ne voulais pas. J'ai dit, c'est bon. Mais donc, quand tu avais 7 jours, dormir à côté, quand tu allais à l'hôpital, les médecins disaient que tu avais quel problème? À l'hôpital. On ne t'a pas fait examen parce que quand le cœur est trop monté, ça peut te donner tension. Non. Tu étais bien. Oui. Maintenant, quand tu lui as dit qu'on a qu'à arrêter, lui, il a compris aussi, non? Oui, il a essayé de demander pardon, mais j'ai dit que je ne voulais plus. Mais tout cela, c'est l'homme. Toi, tu l'aimes encore. Parce que quand on n'a pas une personne, on ne vient pas se plaindre. Tu aimes encore ce monsieur-là. Tout ce qu'il peut dire, Aïcha. Parce que son couillement, ce n'est pas pour les enfants. Il te couillait bien. Parce que quand quelqu'un couille bien, là, partout, va partir, tu joues le jeu. Parce que tu pèses les pines, là, tu les pèses 2 kilos, 3 kilos, 8 kilos. Petite pine qui est demi-kilo, lui, quand il te récupère, là, tu te retrouves. Faut dire, la seule là, je suis encore fan de lui. Parce que tu es en train de tourner, non, j'ai fait 7 jours, gna gna gna. Moi, je suis venu, je vais arranger pour toi. Moi, je suis venu, il faut que j'arrange pour toi. Ce monsieur, comme je n'ai pas dit son nom, on va tel le nom. Monsieur, le fait quand tu étais dans les problèmes, tu as perdu ta femme et tu es tombé sur Aïcha. Tu venais de faire un enfant avec Aïcha. Mais Aïcha, tellement qu'elle t'a aimé, elle a oublié de récupérer les enfants de la dame qui est morte. Parce que quand tu aimes ton mari, il faut aimer ses enfants. Il y a des femmes souvent qui disent, moi j'aime mon mari, mais ses enfants ne vont pas rentrer, ma fille, tu ne vas pas vivre là-bas. L'enfant ne peut pas être ailleurs, puis son parent va manger bien, va manger les bonnes choses. Et puis toi, tu es là, tu ne vas pas vivre là-bas. Tu aimes son mari, mais pourtant, elle est tout là. Elles ont fait 10 enfants dans leur foyer. Elles vont ramasser 5 au moins pour déposer où il y a 2 enfants. Et c'est les enfants qui sont patrons. Parce que dans le coin où elle a fait 5 enfants, là, les parents, il y a beaucoup qui n'ont plus d'avenir là-bas. Souvent, ils sont dans le cycle bois. Mais là, à cause de. Ils sont là, quand l'enfant dort sur 24 heures ici, et elle vient parce que madame est là. Si vous faites les enfants, que le monsieur il a un enfant, venez seulement. Prenez vos enfants, donnez ça à leurs beaux parents. Même s'ils sont morts, les parents vivent. C'est le monsieur qui doit donner l'ordre. Ma chérie, tu me permets que. Envoie un de tes fils, il va jouer à la maison. C'est lui qui va te dire ça. Et quand vos enfants viennent, vous en foutez le monsieur, il paye même l'école de vos enfants. Et puis toi, lui-même, son propre enfant ne va pas à l'école. Mes enfants, si vous voulez prendre les femmes maintenant, femme qui est enfant, il faut quitter dans son affaire. Il faut quitter dans son affaire. Parce que prends une femme qui n'a pas fait d'enfant, si Dieu dit, il va te donner, peut-être va te donner. Parce qu'ils vont t'envoyer ton enfant et les parents vont te prendre. Mon fils Abidjan, depuis là, il ne construit pas, il ne fait rien. Elle va venir, elle va donner les autres. Parce que l'autre côté, les enfants ne sont pas bons là. Ton propre enfant même, il est là. Il ne peut même pas allumer téléphone dans la maison de son papa. Il ne peut pas se mettre à l'aise. Parce que madame, le monsieur, ils sont pris ensemble. Il faut te dire de ce que tu fais. Si on arrive, on m'aime la seule loi, on veut m'amener à la maison. Mes enfants, ils sont 6, personne ne va même pire. Parce que ses parents sont des responsables. Quand le monsieur ne vit plus, c'est la famille qui doit s'occuper des enfants. Mais ce n'est pas dans mon nouveau foyer. Ils vont venir là. Avant, on faisait demi kilo de riz. Maintenant, on fait 3 kilos parce que les enfants du monsieur, ils sont là. Quand vous faites vos enfants et vos femmes, 9 ou 6, là, gardez-les là-bas. S'il y a un nouveau retour, là, elle va venir reprendre sa vie. La seule chose que je vous dis souvent, aujourd'hui, je suis fière. Quand je parle, les grands personnels m'appellent. Je suis très fière. Inspecteur général, M. Fodio, merci à toi pour le conseil. Tu dis non. Moi, je suis l'inspecteur général. Je t'écoute. Tu donnes des bons conseils. Merci aussi à Zionka, le maire de tout le pleu. Zionka, le maire de tout le pleu. Merci à maman ministre Anne Loto qui fait aujourd'hui la force du cavalier, qui fait la force de tout le monde, qui est la maman de la jeunesse, qui est la maman de tout le monde. Je te dis merci, ma petite soeur. Merci à M. Jean-Pierre. Merci à Zionka. Merci à Kader Zongo. Sans oublier M. Judas, le sous-directeur de la stabilité, et sa femme Amandine. Sans oublier Delphine, qui m'encourage toujours. Delphine, la femme du 6e chef de Bakoubli, Smien 6, et Zan, toi et ta femme, je vous dis merci. Et merci aussi à Madame Banto. Madame Banto, Nathalie. C'est ça qu'on appelle l'homme. Parce que elle se. Hier, on me disait, il faut que je parle un peu de la dame. Son mari, la mariée très jeune, son mari, c'est un milliardaire. La mariée très jeune, il était déjà âgé. Mais le monsieur âgé, M. Banto, le vieux Banto, il est le chef de famille de tout le peuple.
Sans oublier le capitaine Banou, il est le chef du village. Mais regarde, la dame, aujourd'hui, son mari, il ne se porte pas bien, mais à ses côtés, elle dit, moi, je ne peux pas toucher. Pareil, le monsieur a trop fait pour mon village. Nathalie, je te remercie. Je vois les preuves. Le vieux est toujours entêté. Quand vous voyez les hommes ici, on dit, ils ont tension. C'est vous, les femmes, qui prouvez tension. Parce que quand il dort jusqu'à... Et puis, il veut baiser, il ne vient pas avec la... Les nerfs bougent. Pied qui traîne là. C'est pareil, c'est le couillement qui fait traîner le pied. Et vous êtes à vous les parler mal. Le mari même, quand il vient à la maison, il a déjà il a tous les soucis parce qu'il n'était pas comme ça. Le mari m'a foutu, tu lui fais du riz. Il faut faire un peu de foutu, balance 200 fantômes et tu piles. Il faut le laisser, même si sa mort n'est pas encore prête. Laisse-le vivre sa vie. Mais tu es, vous les femmes, vous exagérez. Vous embarrez les hommes, vous êtes là comme ça, vous ne vous occupez pas d'eux. Au lit, hein, comme le vieux, comme il a tension, il veut causer à toi. Ah, il fait nuit, moi je cherchais à dormir. Mais tu aggraves sa maladie. Tu aggraves. Quelqu'un qui marchait correctement, un coup, il ne sait pas où c'est venu, puis il traîne ses pieds. Donne-lui l'envie. Parce que les conseils, souvent, ça guérit l'homme. On n'a pas besoin d'aller à une pharmacie. Il arrive à la maison, chérie, il faut t'asseoir. Tu veux manger quelque chose. J'ai mis ton lot au feu. Ça va le décharger un peu. Donc, vraiment, ça, c'était pour ce soir. Donc, je dis à tous les pescateurs, la semaine prochaine, tous les vendredis soirs, vous serez en direct avec la seule dans le gourmet sucré. Je suis la seule de tout le pleu. Aïcha, je suis vraiment ravie de te faire connaissance. Je sais que, Aïcha, c'est simple. Laisse l'affaire d'orgueil là. Appelle ton type. Tu t'excuses. Et puis, avoir 20 enfants. L'homme réfléchit, hein. C'est vous qui pensez, lui, il t'a apaisé. Sinon, le fait mes premiers jours, non, en fait, là, il t'a appelé là-bas. C'est parce que l'amour existe encore. Mais si tu arrives qu'il y a une personne où tu as déconné ma fille Aïcha, tu ne dois pas expliquer le problème à celle qui est dans la maison. Mais là, tu dis, mais vous allez me tuer. Parce que pour être à son mari, tu as envoyé quelqu'un pour m'empoisonner. Parce qu'elle s'est présentée comme ta cousine. Donc, Aïcha, j'espère qu'avec le gourmet sucré, moi, je cherche toujours à unir les gens. Je ne cherche pas à séparer. Les enfants du monsieur sont avec toi, non? Oui. Et il ne les envoie rien là-bas? Si. Donc, quand il vient, tu ne causes pas à lui? Donc, on se parle. Mais il dit quoi? Où vous parlez, il dit quoi? Il me demande toujours pardon, mais... S'il te demande pardon, c'est que Dieu a décidé. C'est pour toi, Aïcha. Il ne faut pas dire que tu ne vis pas. Parce que Dieu, il est toujours prêt. Quand il va arranger, le coin se garde. Même Jésus même a été humilié, on l'a pointé partout. Et pour nous, il a pris notre gloire. On dit la mer. Est-ce que la mer, là, tu peux voir son derrière? C'est tout. Le ciel, on ne sait pas où c'est. Quand tu vois certaines personnes, tu sais à qui j'ai affaire. Moi, quand la seule autre me dit ça, et moi, j'ai affaire à un poisson glacé à la morgue. Parce que tu es glacé, quand on te jette à la glace, il va quitter sur toi. Viens quelque part. Donc, moi, ta seule, s'il vient vers toi, il faut accepter. Parce qu'il connaît, il sait que tu l'as aidé. S'il vient près de toi, tant que ta maman, la seule de tout le pleu, il m'incline devant toi, il faut le pardonner. Parce que déjà, il a réfléchi, il a déconné. Parce que tu n'es plus avec une personne qui t'a mis le couteau dans le dos. Et puis, tu as gardé ses enfants. Je ne te connais pas bien, mais je vois encore que tu es sentimental. Parce que toi, ton bébé est avec toi, et puis ses frères seront dehors. Pour ça, Aïcha, vraiment, merci à toi. Merci, je vais avoir le dernier de tes mots quand même. Qu'est-ce que tu voulais en parler? Bon, je peux dire que quand vous êtes en couple avec quelqu'un, de ne pas trop fouiller dans sa vie, de lui laisser de l'espace et tout, je pense que c'est tout. D'accord, Aïcha a vraiment donné sa réponse. C'est pour vous dire que Aïcha dit, tu peux vivre avec un braqueur, puis personne n'est au courant, tu peux vivre avec un tueur. Arrêtez de fouiller dans sa vie. Quand l'homme te dit que c'est toi, j'ai choisi. Mais vous, les femmes, là, pour pas que quelqu'un va vous baiser, puis c'est doux, seulement un coup, là, c'est fini, vous changez ça. Le mari, il fait bon coup dans votre couille, là-bas, là, vous changez. Et vous êtes là, maintenant, sa vie privée, vous allez prendre portable ici, qui t'a appelé? Si tu es dur, là, Dieu ne va jamais te donner la place. Parce que l'homme, il aime Dieu. L'homme, il aime que quand c'est lui qui commande la femme. Mais souvent, je vis les jeunes filles, les qui sont assis dans les restaurants avec les amis, sans te demander, avant, gifler le monsieur. Qui va te prendre? On ne te prend même pas. Elle va gifler le monsieur. Mais pourquoi? Tu as vu ton ami, chérie? Lui, mais il t'a vu déjà, il va s'élever doucement. Mais il attend qu'on le recette là. Tu vas le faire chose ici. Voilà, Aïcha. Elle a dit ce qu'elle a fait, ce n'est pas bien. Mais vous aussi, vous donne des conseils. Faites comme elle. Elle aime son mari encore. Ils ont des enfants. Quand un enfant, au milieu d'une personne, c'est les 200 qui ont coulé déjà. Elle sera toujours avec les enfants de son mari. Mais elle dit aussi à son mari de ne pas laisser l'autre. Elle est Aïcha, il peut avoir trois femmes à la fois. Mais
pour ce qui s'est passé, elle, le monsieur a déconné. Parce que le même jour, tu es quitté au travail, tu l'as vu, tu pourrais jouer le coup à la maison pour dire, ah, Aïcha, bon, allons, bon, la tante m'a demandé après toi. Et puis tu partais, mais tu l'as laissé, mais tu lui as montré la vraie vérité. Mon fils, tu as mal fait aussi. Tu t'en carrément, et puis tu fais encore deux enfants. Toi, ta queue, tu charges ça toujours là. Tu as fait deux enfants. Et puis tu n'as aucun respect. Si elle ne te veut pas, moi, il dit, je veux. Je suis ta maman. Reviens-toi, et puis tu restes avec ta fille. Et puis, il peut arriver, l'autre, il peut être au bouquin, puis il peut être ici. Donc, chers téléspectateurs, c'est ce que pour ce soir que la Seule voulait vous annoncer. La semaine prochaine, suivez quand même l'émission Gourmet Sucré avec la Seule à partir de 22h. Vous serez toujours en direct avec la Seule de tout le pleu. Bonsoir.